La plus grande offre de sport, accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV. Il y a moyen d'utiliser ces trois quarts. On est d'abord fixé peut-être voilà, avec les jeux d'avant. Non, c'est une combinaison magnifique. Attention, ça peut aller au bout avec un essai en première main pour Charles Mouxès en bout de ligne. Ah, ils m'ont donné raison. Magnifique essai, c'est Mouxès qui marque. Mais c'est un superbe chef-d'œuvre collectif offert par nos Bleuets. Quelle action! Eh bien, quand on vous disait qu'ils avaient bien travaillé, c'est une répétition générale. Benoît Babi doit se friser les moustaches avec des garçons comme ça qui nous régalent. Ah, on attendait que les Bleus lancent une première attaque d'envergure avec les trois quarts. Les avants qui échouent face à leur vis-à-vis gallois. Et derrière, on utilise la vitesse des trois quarts. Et Mouxès là, qui se voit bien servi. Allez, le staff qui fait un vrai travail justement. Oh, attention, attention, l'essai gallois, on avait raté la touche. Le réalisateur s'attardait sur les ralentis. C'est un essai. La réplique galloise, les Gallois qui reviennent au score avec un essai d'avant, avec visiblement une touche ballon portée. George Morse qui marque. George Morse qui marque cet essai qui fait très mal. Et les blessures nous ont un petit peu déstabilisés. Ouais, le cadreur s'est un peu oublié aussi. Mais c'est vrai que les Gallois ont été filous, ils ont joué rapidement. Alors, avec cette belle combinaison, bon ballon porté, très dynamique, avec des joueurs qui s'en remettent à la puissance de Josh Morse là, qui y va quasiment tout seul, bien aidé évidemment par le travail de ses partenaires précédemment. Mais quel dynamisme de la part des avants gallois. Attention, le contre-ruck des Gallois, non. Allez, les avants qui sont et prêts. Oh, Kari Karaba pour Souverbi, la combinaison avec Brovoiri qui est stoppé encore à 1 mètre de la ligne. Il y avait en tout cas des intentions pour les Français. Joué Kari Karaba quand il est comme ça, il est inarrêtable. Essai pour le Toulonnais, magnifique. Oh, c'est de la pure dynamite ce garçon. Vraiment un joueur qui, sur du 1 contre 1, à quelques mètres de la ligne, vous lui donnez le ballon. Vous pouvez être sûr qu'il y va. Bel essai encore des Français avec une belle action collective. Ah bien joué, regardez les Français avec cette feinte. Kotermana qui a réussi à passer les bras et on va réussir. C'est Brovoiri, non, c'est Bollinger. Et la ballon touche, non, là on résiste. C'est à la bien touche. De rester dans le terrain, c'est très bien ça, l'effort fait par les Bleus. Ah oui, parce que ça peut payer là derrière. Allez, faut faire l'effort là. Être actif dans au sol. Essayer. Derrière, récompenser Zinedine Aouad pour son activité qui marque cet essai. Et un ballon récupéré par les trois quarts maintenant avec Bollinger qui essaye de sortir, qui va réussir à donner ce ballon. Attention, Brovoiri qui a et cherche extérieur, il a retrouvé intérieur, Sean Mouxès. Attention, c'est pas s'aveugle là. Ouais. C'est pas grave, c'est spectaculaire Olivier et le ballon est conservé. Toloufoua, allez, pour entrer dans les 22 mètres gallois, ne pas se faire coffrer la balle. C'est bon. Allez, vite, il faut ressortir ce ballon, il faut aller chercher de l'air là-bas. Il faut aller... jouer là où il n'y a plus grand monde. Attention, allez l'avancer. Qui avance. Allez vite, faut l'éjecter ce ballon. Zakaria Fan qui remet une charge. Et on continue. Encore une fois, Karaba. Et encore Zinedine Aouad. La rage de Le paquet d'avant français. Oh oui, ils ont été vexés. Oh, ils étaient en colère. Le match de l'Italie, ils ne l'avaient pas digéré. On en a parlé cette semaine. Eh bien, ce match de l'Italie, il est transformé en colère. Et cette colère s'exprime à l'Arms Park de Cardiff. Les avants français réagissent et montrent qu'ils sont encore là. Et montrent une forme de caractère vraiment impressionnant. Ce paquet d'avants français, là, celui-là, ils sont allés se le chercher tout seuls. Ouais, ce qui est intéressant de regarder dans cette action de jeu avec ce plan-là, c'est Kari Karaba qui arrive très proche du partenaire derrière. Regardez, soutien de Kari Karaba qui arrive très proche. Et en même temps, Aouad qui se rapproche de son partenaire, qui ne laisse pas d'espace à la défense. Et il vient permettre, et il permet à son partenaire de lui transmettre le ballon et d'aller chercher l'essai. Superbe action de jeu là, à montrer dans les écoles de rugby. Moyen et petite faute sur l'organisation. Et cette fois, c'est un lancer qui a lobé un peu l'alignement, mais qui est quand même récupéré avec Toloufoua qui arrive lancé. Il est inarrêtable comme ça. Et voilà, Cyril Toloufoua qui marque son essai. Magnifique. Oh, quand il est lancé comme ça, il fait parler toute sa puissance. Le Toulousain qui marque cet essai. La fratrie Toloufoua a encore frappé pour les Bleuets. C'est un essai, le 5e essai du match. 9 matchs gagnés sur les 10 derniers matchs destination à l'extérieur. La seule défaite, c'était face à l'Irlande. Et ça va continuer encore à l'extérieur. Les Français voyagent bien dans ce tournoi destination en U20. Et ils ont poussé avant l'introduction. Mais non, ce sont les Gallois qui sont pénalisés.
Allez, Tacola passe après contact pour Bellombre qui va aller marquer son essai, qui est récompensé pour sa première sélection magnifique. Très beau travail, Mathis Bellombre, le joueur de l'ASM qui s'écroule dans le but et qui aura fait un très bon match, bien servi par Monsieur Tacola, qui continue de nous régaler. Et puis numéro 9, allez, Toulouse à Saint-Vive s'invente numéro 9 sous Verbi. Et pourquoi pas quand même, il y a encore de la place. Voilà, cadré donné, c'est bien joué. Joué Karabakh qui a encore les cannes. Oh, qui a réussi une passe monstrueuse. La reprise de volée pour Tacola. Tacola qui va avoir peut-être le rebond. Il est à la course. Ça va jouer à la course. Ah, le mauvais rebond. Et c'est, regardez qui passe par là. Morgan Morse, le numéro 8, incroyable. Les cannes en fin de match pour aller chercher la balle. Et éviter les 50 points. On en reste là. 45-12. Victoire quand même des Français. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.